je m'appelle Philippe Lherbier, je suis dessinateur de bande dessinée, je dessine la série des petits mythos. J'ai une longue carrière, parce que je suis un vieux bonhomme maintenant dans la presse, au journal de Mickey notamment. Je travaille avec un scénariste qui s'appelle Christophe Cazeneuve. Alors, nous, on s'inspire de la mythologie, évidemment, puisqu'on a une passerelle entre Homère et puis les lecteurs d'aujourd'hui, quoi. Et donc le scénariste, lui, retravaille de la mythologie pour en faire des gags, notamment. Et moi, je les dessine et j'interprète graphiquement ses idées. Moi, je suis au service du texte, quoi. Et lui, est au service de mon dessin, parce qu'il essaie de faire en sorte que je m'amuse aussi, quoi. Et on s'est rendu compte que personne n'avait fait une bande dessinée sur la mythologie en prenant l'angle des petits mythos, des enfants, avant qu'ils soient des dieux, ce qui était assez pratique parce que ça évite tout un tas de turpitudes qu'il y a dans la mythologie. L'importance, elle est partagée, c'est-à-dire qu'elle est partagée aussi pour les gens qui vont venir me voir, je pense que c'est aussi important pour eux. Moi, j'ai cette tendance de penser, en tant qu'auteur, qu'on existe par rapport à ses lecteurs, qu'ils soient petits, qu'ils nous connaissent ou pas encore d'ailleurs. Mais on existe par rapport à eux, donc à chaque fois qu'on peut les rencontrer, je me dis si on peut laisser un souvenir assez intéressant pour eux, je trouve qu'on existe un peu plus un dessinateur qui dessine tout seul dans dans son bureau. Oui. Il va pas bien loin, je trouve que ce qui est bien, c'est la rencontre avec le lecteur. Non, il y en a plein. Je préfère faire mes phrases et faire mes dessins que de m'inspirer. Ça ne m'empêche pas d'être admiratif, c'est pas au contraire même. Moi, je dis souvent ça, mais je préfère être propriétaire de mon petit appartement que d'être locataire d'un château. Donc j'ai mon petit truc, voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est mon truc.